Salut les gens, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo de Boom Beach. Le mec que j'ai joué cassé la gueule hier, là, je l'ai repris sa base de ressources là. Il l'a repris à 5h du mat, je le prends à 1h10 du matin. Là c'est la bataille des horaires. Donc j'essaie de le reprendre là, je vais faire une attaque. L'attaque d'Amurnam. Il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est que tu dois le payer pour qu'il t'attaque. Donc, alors. La base, il me l'a repris hier. Je l'ai repris après. Et là, cette nuit à 5h du mat, voilà, il m'a repris la base encore une fois. Donc, on va voir la bataille. Alors, il casse le lance-roquette, comme d'habitude. Encore une bombe, voilà. Alors, les gros bras, les vagues de Zuka là qui arrivent. Elle a été utile, hein. Le lance-flamme quand même. Alors, la mitraillette qui ne servait à rien du tout. Les canons. Et le super canon là. Merde. Les tours de sniper qui les défoncent. Voilà, il peut compter que sur ses zookas maintenant. Hop. On compte que sur les zookas maintenant. Les tours de sniper qui tirent pas vraiment vite. Prête. Le fumigène fini. Tout est tiré d'un coup. Les tours de sniper défoncés. Encore une autre de défoncée. On va accélérer un petit peu. D'accord. Bon, maintenant c'est la suite. Hein. Il a tiré. Il m'a pris ma voiture. Si on peut se permettre. Et j'ai Amurnam aussi qui est arrivé là avec ses 12 gros bras. Hein, bof, ça va, je vais pouvoir le défoncer. Et ses petits fusillés qui vont envoyer à la fin, je pense. 141 fusillés. C'est quand même pas mal. Alors, la base de ressources. J'ai pas bien regardé, mais je crois qu'il a eu une nouvelle tour de sniper. Et là, par contre, ça va être vraiment plus dur pour reprendre la base. Parce que là, les tours de sniper, ouais. Il y en a 3, 4 qui me voient, même 5. Pour les zookas, non. Mais là, le super canon, les canons, ouais, ça va être bien plus dur que d'habitude. Alors, attaquer. Lance-roquette. 1, 2, 3, 4. Hop, alors c'est bon. S'en occupe, lui il est cassé, voilà. Le lance-flamme. Bon, on va surtout tirer sur les tours de sniper. Qui vont faire énormément de dégâts. Et alors. Bon, déjà, j'aurais fait pas mal de dégâts aussi. Vas-y. Tirez les bonhommes. Go. Sur le canon. Oh merde. Bon là je suis mort, hein. On peut le dire. Ouais, littéralement, t'as raison. Bon les. J'ai plus de zooka, on va abandonner, hein, parce que c'est obligé. J'étais obligé de mourir. Bon, on va essayer de reprendre la base de ressources un peu plus tard dans la journée. Cette fois, j'essaierai de contourner. De pas faire du même côté. Je vais essayer d'attaquer du côté du lance-roquette. On va reformer des troupes. Et cette fois, Amurnam va nous attaquer. Alors, on va voir déjà
Il envoie qu'elle trouve d'abord. Tac, il envoie ses gros bras premier et fusillé sur le côté. Je vais me prendre la base déjà. On va finir l'attaque complètement. C'est pas sûr, hein. Mon lance-roquette là. Ouais, non, il va pas me la prendre. Je vais gagner l'attaque. Enfin, je pense, hein, mais tu comme c'est pas. Vu que. Mais comme c'est parti, je l'ai pris, voilà. C'est bon. C'était rapide, ça. Ok. Il a pété la moitié de ma base avec ça, hein. Mais je dis que c'est facile. Alors. Base centrale défendue. Alors, la bataille, non, partagée, mais c'est pas grave. Il est quand même stylé, hein, à Mornam, avec son sa canonnière là. Alors, partagez la vidéo. Flotte d'Amurnam. Deuxième attaque. Il va envoyer, je pense, les guerriers d'abord. On va voir où il les envoie pour. Ah non, même pas. Hein. Je sais comment je vais faire. Parce que là, il les a envoyés à l'endroit où il y a le moins de minutes. Là il va gagner, hein, c'est sûr, hein, comme il est parti là avec tous ses fusillés carrés. Là, c'est pas les mines qui vont les retenir. Hein. Il en reste quand même pas mal. Un petit coup de lance-flamme dans le tas de fusillés, là ce serait pas. Je voudrais bien. Ah cool. Pouvoir. Non, je peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. On va décaler toutes les mines pour les fusiller là parce qu'ils sont bien trop forts. Il faudra des lance-flammes du côté des fusillés. Là, la base est prise. Il me restait que les fusils à la fin. J'en ai tué 95 quand même. Mais il résiste. Je me demande combien il en avait des fusillés. 192. Et il lui en restait encore à peu près 100. On va mettre toutes les mines de ce côté-là. Du côté des fusillés. Les mines, les super mines, tout le tralala. Il me faudrait un lance-flamme parce qu'il n'est pas. C'est pas vraiment utile contre les fusillés. Tac. On va recommencer l'attaque. On va voir cette fois. Mais il les a pas lancés de ce côté. Non, mais les fusillés, c'est. Ils vont partir là. Avec. Dans le tas de mines. Alors, les Zoukas, n'activez pas ça. Et ils vont passer en plein milieu du tas. Pour se faire défoncer. Les mines, ça fait un. Ça fait un bon morceau du travail quand même. Ouais, non, ils avaient. Le lance-flamme a été détruit avant. Ça, c'est con par contre. Allez, le lance-roquette là! Aide-nous un peu. Fais ton boulot. Ouais, direct. Une carte base en plus, c'est la plus de vie. C'est fini. Fin de la game. Bon, ben, je vais me décoller encore un peu plus le lance-flamme. Même ça marchera peut-être pas. Donc, le lance-flamme, on va le mettre ici. Hop.
comment tu fais avec les jeux. Après, on va le coller à ça. Attends, je sais quoi faire aussi. Vas-y. Là, ta super mine, et personne l'a touché, donc je remets la là quand les autres qui arrivent. Ok. Super mine. C'est pas... Oula. Les guerriers passaient dessus. Boum. Allez, deux guerriers en moins. Pas terrible, mais ça va. Alors, on va accélérer un peu tout ça. Boum, 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 boum. Petit coup de lance-flamme qui leur a fait perdre pas mal de vie. Et c'est encore la fin. J'essaie de faire un truc. Une rangée de lance-flammes. Toi qui tires pas dessus, surtout qu'au début il tire même pas sur les lance-flammes. Alors on va faire ça. Je m'en fous, j'ai plus de fric. Mais après ça, je pourrais faire plus qu'une attaque. Boum! Ah non, 3 de retirer cette fois. 3 de retirer de la game. C'est pas énorme. Hein. Ça nous fait dire, allez, un gros tas. Bon, alors, dans les lance-flammes, ils ça donne quoi? Défoncer. Ouh, quand même. Les lance-roquettes! Il fait pas vite. Oh putain, ils ont pété le lance-roquettes, c'est okay. Oh non, c'est encore la fin, rapidement. Ah mon lance-roquette, il aura encore été là. Tu vas refaire d'accord? Non. Je vais arrêter, hein. En plus, ça va peut-être sonner, là, une alarme. Parce que je vais plus avoir le temps, là. Je vais passer à plus de 15 minutes, au bout d'un moment, quand même, là, donc. Alors, on va faire ça. On va essayer de remettre un peu en ordre, voilà. Bon, salut les gens et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.